Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Canal Malak dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir comment utiliser Instagram à partir de votre ordinateur, soit sur Windows ou sur Mac. Les détails juste après la pause. Alors pour cela, premièrement, il faut avoir le navigateur Google Chrome. Après, vous allez sur les paramètres de Chrome, puis sur plus d'outils, et dans plus d'outils, vous allez sur extension. Dans extension, défilez la liste jusqu'en bas, puis cliquez sur plus d'extension. Dans le Web Store de Chrome, cherchez desktop pour desktop pour Instagram. Donc la première, puis vous allez cliquer sur ajouter à Chrome, confirmer avec ajouter l'extension. Voilà, donc le raccourci de l'extension a été ajouté dans la barre de Chrome. Utilisez cette extension en cliquant sur cette icône pour gérer les extensions. Cliquez sur extension dans le menu outils. Donc on va sortir. Donc maintenant on va voir comment utiliser cette extension. Alors, en cliquant sur l'icône de l'extension, on sera amené à cette nouvelle fenêtre et on aura automatiquement Instagram. Alors, vous pouvez accéder à votre profil en cliquant ici. Vous pouvez donc aller sur les dernières activités en cliquant ici. Vous pouvez aller sur votre fil d'actualité en cliquant ici. Alors là, vous avez bouton pour partager sur Twitter et Facebook. Vous pouvez l'activer ou désactiver. Vous avez ici tous les formats photos, le lien de tous les formats photos. Ainsi, ici, donc, vous pouvez activer le bouton pour télécharger les boutons. Donc, c'est très pratique d'utiliser Instagram à partir d'un PC. Plusieurs personnes préfèrent utiliser cette application à partir d'un PC au lieu de l'utiliser à partir d'un smartphone. Parce que c'est grand, c'est clair et c'est très pratique. Donc c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. À la prochaine fois.